Est-ce que c'est du feu que Link est en train de regarder? On dirait bien. Je crois que c'est du feu. Je sais pas, il a l'air de se poser la question. Enfin bon, bien le bonjour tout le monde, salut les gars, ici 69 Zelos, et on se retrouve pour une troisième vidéo de gameplay sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. Dans l'épisode d'avant, dans la vidéo d'avant, on s'était arrêté juste avant de devoir se rendre au village Cocorico. Et c'est tout simplement ce qu'on va faire durant cette vidéo. Je sais pas exactement ce que l'on va faire en entier. Je sais qu'on est parti pour une bonne heure. Peut-être une heure et demie, allez, si jamais je suis motivé. Mais en tout cas, j'avais profité pour visiter un petit peu partout. Visiter le plateau... le plateau du prélude, le truc... la petite zone que l'on a... à notre disposition pour le moment. Et donc on va tout simplement arrêter. Je vais arrêter mes conneries et on va se diriger vers la balise qui est indiquée sur la minimap. Sur la minimap en bas à droite pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Enfin bon, oula, le jeu, t'es fatigué toi mon grand. Tu vas arrêter de ramer, oui? C'est que ces conneries là. Ah, pour toi il y a trop d'herbe et trop de trucs à l'écran. Eh, c'est fort dommage. C'est fort dommage, mais faut se dire... Faut se dire un truc, parce que j'ai vu qu'il y en a qui se plaignaient du fait que le jeu ramait, que le jeu n'était pas ultra bien optimisé. C'est vrai, c'est complètement vrai. Non seulement c'est vrai, vous avez raison de vous en plaindre, mais faut savoir que c'est malheureusement parce que ce jeu était prévu sur Wii U. C'est à cause de ça que le jeu malheureusement n'est pas pleinement optimisé pour la Switch. Il a commencé à être développé sur architecture Wii U, quoi. Donc à mon avis, il fallait impérativement que le Zelda sorte, en même temps que la console, donc il a été fait de façon un petit peu trop rapide, je pense. Yop là. Il a été fait, je pense, de façon un petit peu trop rapide, malheureusement, ce Zelda Breath of the Wild, et donc du coup, le fait qu'on ait une optimisation qui ne soit pas léchée, ça... C'est pas normal, je suis pas en train de les défendre, non, c'est pas normal. Mais après, voilà, fallait s'y attendre. Pour ma part, fallait vraiment s'y attendre. En gros, ça veut dire que jusqu'au bout, la Wii U nous aura cassé les couilles. Jusqu'au bout, elle nous aura fait chier, cette console. Enfin bon, donc, alors, là, je suis quand même assez content. Parce que le roi m'a demandé d'aller au village Cocorico. Le village Cocorico, et ça fait plaisir, mine de rien, parce que ça fait un très long moment que je n'ai pas vu ce village. Alors, est-ce qu'on peut passer par ici? Je suppose que oui. Hop là. Avec le paravoile. On entre donc dans une nouvelle zone. Royaume d'Hyrule. D'accord. Oh, il y a l'air d'avoir des ennemis bien plus grands. Des ennemis bien plus grands et bien plus menaçants. Tu sais quoi, mon petit, bouge pas. Oh, dans ta bouche. Waouh. Alors, vous avez vu ça? Le jeu a frisé, carrément. Le jeu a carrément frisé. Eh ben, nous qui parlions d'optimisation pour le moment, eh ben, on va être servi. Corne de Moblin. Parfaite pour préparer des remèdes. Oui, des potions, ce genre de choses, je suppose. Qu'est-ce que ça? Une batte boko. Toujours intéressant à prendre. Oula, qu'est-ce que ça? Ah, c'est un drapeau, ça. Alors, range ta lance, Link. D'accord, c'est une bannière. Mais la bannière, à quoi sert la bannière? Attends, évidemment, j'ai des gens qui m'emmerdent sur Facebook. Désolé de ce contretemps. Ça, c'est fait. Bah écoutez, j'ai envie de suivre le chemin, parce qu'en général, dans ce genre... En général, vous savez, dans ce genre de jeu, il vaut mieux ne pas partir à travers champs quand on ne connaît pas grand-chose. Bonjour, mon grand. Qu'est-ce que tu veux? Coucher. Je l'ai chuchu. Ah, j'espère que je vais pouvoir apprendre... Je vais pouvoir apprendre à faire des potions, ce genre de choses, parce que... Parce que ça pourrait éventuellement m'aider. Je suis toujours à 4 cœurs et c'est un peu petit.
putain. Alors que là, par contre, là, c'est le temps a viré à l'orageux. Ça tombe bien, j'ai pas vu ce que ça donnait l'orage. J'ai pas vu ce que ça donnait encore l'orage dans ce jeu. Ah oui, par contre, je vous préviens une chose, je vais me balader, hein. Je vais très clairement me balader, moi, dans ces vidéos de gameplay, parce que ça reste ma partie, hein. Et hors de question que je rush pour faire plaisir à je sais pas qui, hein. Mais... Ruine de l'étape d'Hyrule. L'étape? Qu'est-ce qu'il veut dire par étape? Putain, il y a mon téléphone qui sonne derrière, putain. Ça me gonfle. Oh putain, la sonnerie en trop. Bougez pas. Voilà, désolé. Toujours des perturbateurs quand tu dois tourner. Bon, nous disions. Donc on est dans les ruines. Les ruines de l'étape d'Hyrule. Qu'est-ce que... L'étape. Qu'est-ce que c'est que ça? Espadon rouillé. Oh putain. Compartiment des armes est plein. Ouais, mais je préfère avoir une arme qui tape un peu moins fort et qui dure un petit peu plus longtemps. Plutôt que l'inverse, parce que. Hallebarde rouillée. Oh là là, beaucoup de trucs rouillés. Oh! Qui c'est ça? Ah, c'est un oiseau! Ah! D'accord. Ouais, oh, c'était mignon. C'était mignon. Oh, il y a des gardiens ici. J'espère qu'ils vont rester inertes. Pas bouger, gardien. Pas bouger. Là. Ambre brute. Hop, vis antique. Ces gardiens ont l'air complètement... ils sont complètement inanimés. Mais du coup, je comprends pas pourquoi il y en a qui étaient animés. Et apparemment, les trois quarts de ce que je vois, bah, ils s'en foutent, hein. Ils s'en foutent royalement. Ils sont en mode HS. En mode Windows Vista, ils bougent plus. Ah, je vous préviens, hein, ça risque d'être une vidéo balade. Hein. Ça risque d'être une vidéo balade. Moi aussi, j'ai envie de voir ce que donne ce jeu. Déjà, pour tout vous dire, je me suis retenu pendant plus d'une semaine. Enfin, pendant 7 jours. Ouais, ça fait une semaine. Je me suis retenu pendant une semaine de ne pas y jouer, juste parce que je vous avais dit que j'allais faire le village Cocorico dans l'autre vidéo. Hein. Parce que sinon... sinon, je serais déjà à 40 heures de jeu, putain. Enfin bon, il n'y a pas grand-chose. Ça me surprend qu'il n'y ait pas grand-chose dans ces petites ruines, là. Ouais, putain, c'est stylé quand même. Hein. Encore une fois, on a un panorama. Panorama, vraiment, c'est très la désolation. Hein. Avec le coucher du soleil, les ruines partout, là. Ça a de la gueule. Ça a de la gueule. D'ailleurs, putain, puisqu'on parle de ça, ça n'a rien à voir, mais j'ai besoin d'une transition ferme, là. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, des champis violets. Saute-mourant. On va aller les choper. Du coup, j'en ai profité pour écouter la bande son. Comme vous le savez, pour la quand vous achetez l'édition collector, vous avez non seulement le jeu plus une petite statuette de l'épée de légende, mais vous avez également un CD qui regroupe la bande originale du jeu. Un petit peu comme dans l'édition collector de Skyward Sword, sauf que Skyward Sword c'était pas du tout la bande originale, c'était des musiques en édition Hyrule Symphonia. Ah, des squelettes là-bas, tiens. Mais là par... Wow. Petit enculé, attends, bouge pas, j'arrive, bat. Qui est le con qui a fait ça? Qui est le con qui a fait ça? Où est-ce qu'il est? Ah mais c'est pas vous qui avez fait ça, foutez-moi la paix. Joli chuchu qui pousse un rocher, oui, sûrement. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, dessert! C'est dessert. Ah putain, mais ça me saoule parce que je peux pas les chasser.
Je peux pas les chasser, j'ai pas d'armes assez puissantes. Oh la vache, putain, mais il est grand lui. Il me paraît trop dangereux, mon grand. Oh, right in the ass. C'était magnifique. Donne-moi ça, toi. Les herbes d'Hyrule, c'est du soin, ça peut toujours servir. Est-ce que t'as des trucs à me filer, toi, non? Ça. Qu'est-ce donc? Bouclier. Pouah, rouillé, mais plutôt MG, tous les trucs rouillés, c'est impressionnant, ça. Hein, des ennemis qui dorment, là. Est-ce que le village Cocorico est loin? Parce que, franchement, on voit qu'il y a une tour là-bas. Wouah! Ah ouais! Ah ouais, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit super loin. Mais on va quand même se dépêcher un petit peu parce que... Ah, mais à ce point-là, c'est comme... Enfin, quoi qu'on va se dépêcher, mais on va lui défoncer sa gueule, lui. Par principe, parce que c'est un méchant. Les méchants, c'est pas bien. Oh, il ronfle. Qui est mignon, tout plein. Feu dans le crâne. Oh putain, il y a encore en vie. Oh putain. Spam, Link. Il faut pas qu'il s'en remette. Voilà. Froid, va Dieu. Ah, fallait pas qu'il s'en remette là. Ouh putain, les ennemis ont l'air un peu plus puissants là. Mais en même temps, j'ai une vieille lance. J'ai l'impression d'être dans Dark Souls. Les ennemis deviennent plus puissants, mais moi je garde mon petit cure-dent là, tranquille. J'essaye même pas d'avoir de meilleures armes. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que j'ai mieux? Mais je crois pas, hein. Enfin, si, mais... Ah, ça me fait chier de les utiliser maintenant, quoi. Déjà, on va te jeter, toi. Histoire d'avoir au moins un compartiment de dispo. Oh, un sanctuaire! Un sanctuaire. Ah bah, c'est cool, ça. Vous savez quoi? On va le faire. On va le faire, le petit sanctuaire, du coup. Putain, et tu vois toujours l'aura maléfique de Ganon dans le fond, là. Ah, c'est beau, hein, franchement. Hein. Les mecs, ils se plaignent. C'est 900p, Mais ferme, là. Est-ce qu'il veut se friter? Est-ce que ce mec voulait se friter avec un balai? J'ai bien vu, hein. J'ai bien vu ce mec vouloir se friter avec un balai. C'est bien ce que j'ai vu. Mais tout va bien. Eh, hey, prends ça, toi. Eh, hey, Link. J'ai dit, prends ça. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ça suffit, couché, saloperie. Yeah. Non, je veux pas faire ça. Waouh! Putain, mais il m'a encore one shot! Oh nom de Dieu! Putain, mais ce jeu, en fait, il va être. Il est tellement cruel! Il est tellement cruel, ce jeu! Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, là? Eh bah, putain, heureusement que j'ai pris un petit café. Hein. En fait, c'est ça, on est vraiment dans Dark Souls. Hein. Ouais. Si t'as pas le réflexe pour le bouclier, t'es niqué. Allez, on y retourne. On y retourne. Ruine de l'étape de l'Est. Oui, oui. Ah, ils sont gentils quand même. Hein. Ils m'ont pas remis tout au bout là-bas. Mais ouais, mais là, je suis dans un... Comment dire? Je suis dans un paradoxe. Ouh. C'est quoi cet essaim de chauve-souris, là? Pas, mon grand, bouge pas. À mon avis, faut pas que ça te voie, ça. Comment dire, je voulais dire un truc, je m'en souviens plus. Oui, ouais, je suis dans un paradoxe, là, parce que je me dis que... Là, ce qu'il faudrait clairement que je fasse, c'est me balader dans la zone pour pouvoir trouver... Pour pouvoir trouver un meilleur stuff, histoire de pouvoir progresser d'une bien meilleure façon. Sauf que j'ai également envie d'aller au village Cocorico, quoi, donc
fait chier. Oh, un renard. Un renard. Petit, petit. Je fais trop de bruit. Petit, petit, petit. Rookie, viens ici. Rookie, viens ici. Je suis Rookie. Oh putain, c'est mignon. Et il se barre, monsieur prend le pont, parce que voilà, on est quand même des animaux civilisés, hein, je veux dire. Il y a un coffre là-bas, avec des ennemis. Ouais. Mais Osef, on va faire le petit sanctuaire, là, tiens. Voilà. Ah, foutez-moi la paix, hein. Sanctuaire de Vachiriako. Vachiriako. Oui. Très subtil, n'est-ce pas? Jean-Claude Convenant sort de ce corps. Bref. Hey Link, rentre. Y a des méchants qui ont l'air hostiles derrière. Allez, ouf. Donc ça, c'est les petits sanctuaires. Hein. Par contre, est-ce qu'on va récupérer un pouvoir à chaque fois? Ça m'étonnerait, mais... Allez, hop, là. Bonjour. Où suis-je? Que fais-je? Dans quelle étagère? Qui a pénétré ce sanctuaire? Vachiriako te met à l'épreuve au nom de la déesse Ilia. Oui, c'est mignon. Guidé par le vent, c'est ce que je vois. Hein. Il y a un méchant moulin à vent là-bas. Est-ce qu'on a un autre module à récupérer ou... Ah, mais non, ouais, non. À mon avis, je sais comment faire. Le vent. Comment ça se passe? Ah, bah Link est même pas d'accord. Impeccable. Hop! Hop là! Ah, c'était quand même. C'était prévisible hein, en même temps. Hein. De paravoile ou parachal, je sais plus. Mais le paravoile plus du vent, forcément, on sait où est-ce que ça va mener. Par contre, c'est toujours des petits. C'est toujours des tout petits sanctuaires. Regardez, la fin, elle est là-bas, quoi. La fin, elle est juste là-bas. C'est quand même assez décevant. Oh, franchement. Hop là. Hop. Rien de bien complexe, hein. Ouais. Oh. Calme-toi. Voilà. Eh ben, c'était très la difficulté, dis donc. Ah oui. Ah là là, la difficulté. J'espère, mon petit Zelda, que tu vas me montrer un donjon bien différent, parce que là, c'est très la difficulté. Ah, vous avez remarqué la position de Raskar Kapak a changé. Alors, un symbole, voilà, encore un. Emblème du triomphe, c'était gentil. Et on en a qu'un seul. Putain, on les récupère un par un. Oui, mon grand, oui. On en récupère un par un. Et il fallait 4 emblèmes, je crois, pour pouvoir progresser, entre guillemets, d'un level. Pour pouvoir améliorer ou son endurance, ou sa barre de vie. Attends, bombe à distance plus vent. Les bombes sont plus légères qu'elles n'y paraissent. Utiliser la force du vent. Ah putain, c'était une bonne astuce ça, j'ai pas eu le temps de lire. Bref. Eh bah écoutez, on va continuer. Hein. On va continuer. Par contre, on va faire. Oh mais. Regarde, t'arrives pas à soulever ton arme. Ferme-la. Merci. Y a un coffre en bas. Mais il y a des poissons aussi. Oh, le coffre il se tire. Le coffre est emporté par le courant. Bah attends, ouais mais non, mais j'ai pas assez d'endurance là, si jamais j'y vais je vais crever. Non, allez monte. Monte mon petit Link, je voulais faire un truc, voilà, c'était escalader ce pilier. Monter en haut du pilier. Et regarder un petit peu aux alentours quoi, parce que... On va quand même regarder un peu aux alentours, voir ce qui nous attend, parce que... Ah, on a une tour là-bas. On a une tour là-bas, c'est cool, on va pouvoir dévoiler la map. Bon, celle-là, là-bas, elle est beaucoup trop loin. Mais celle-là, au moins, on est sûr qu'elle est dans... Putain, j'avais pas vu, là. Non.
Non, merci. J'avais pas vu, putain, la montagne fendue en deux. Et il y a un sanctuaire là-bas. Cool. Bah ça, j'y irai de mon côté, hein. Vous m'excuserez. J'y irai de mon côté. Je crois qu'il y a un autre sanctuaire par là-bas. Ouais. Vous savez quoi? Je vais les marquer, je pense. Les deux, là, je pense que je vais les marquer pour m'en souvenir plus tard. On les fera pas durant cette vidéo, mais... au moins, je saurai où est-ce qu'ils sont. Hop là. Une petite balise pour lui. Et une balise pour lui là-bas. Pouing. Et bah ça c'est fait. On peut descendre et se barrer. Par contre, à mon avis, s'il y a un pont comme ça, il doit y avoir des ennemis. Qu'est-ce que c'est? C'est un ennemi ou c'est un... Oh non, c'est un mec! Oh putain, une âme qui vive! Bonjour! Bonjour monsieur! Si vous regardez. Oh putain, je sais pas ce... Qu'est-ce que c'est là-bas? Une tête de dragon en bois. Bon. Ok, pourquoi pas. Bonjour monsieur! Toujours difficile de savoir ce qui nous attend. Oui? Garadon, il s'appelle. Il ne s'est pas présenté, mais on sait déjà comment il s'appelle. T'es qui toi? Je te connais pas. Bonjour. Monsieur, tu vois bien que je suis un être humain comme toi, espèce d'enculé, je suis pas un monstre. La politesse. Putain. C'est qui? C'était un fossoyeur de film ça? La politesse. J'en ai marre de parler tout seul, ça me fera pas de mal d'avoir un peu de compagnie. Oh tiens, maintenant il se rend compte, j'ai pas d'amis, tu veux rester avec moi? Va te faire foutre. J'ai pas envie de te parler, moi. Le mec, il m'a pris pour son bouche-trou. T'as vu ces trucs qui sont sortis de sous terre? Des quoi? Des... Je te parle pas de truffes, je te parle des tours, là. Et dis donc, t'as un certain ton, tu vas te calmer, mon grand. Parce que la lance, là, que j'ai à l'arrière du dos, elle peut très vite arriver dans un de tes orifices, tu vas rien comprendre. Hein. Faire attention, hein. Avec ta sale tête, en plus. Sanctuaire qui était complètement inactif, ils ont mis à briller. Et tu sais ce que ça veut dire? Que la fin du monde est proche? Non, ça veut dire que le tutoriel est passé. Garde un œil sur ce machin. Il pourrait se remettre à bouger. Quel machin? Le gardien. Ah, d'accord, en fait, il regardait ça. Machin qui ressemble à une urne à l'envers. Par celui-là? C'était un autre. Vers le château d'Hyrule, juste avant un bosquet. Mm-hmm. Ce machin repère une cible, il la vise avec un pointeur rouge. Oui, je sais. Quand même pris mes jambes à mon cou. Bah c'est bien. Mm-hmm. Mes réflexes qui m'ont sauvé, plus ou moins. En tout cas, t'as une tête bizarre, toi. Hein. On dirait un japonais ilien. Non, t'as vu? Regarde-moi. Regarde-moi, bâtard. Regarde-moi. Sois prudent, merci. Merci Garadon. Oh, il va faire sa vie. Oh, c'est trop cool. Il va faire sa petite vie. Tu vois bien. Regarde-moi ça. On dirait un japonilien. Salut, salut, salut. Bah écoute, j'espère que je te reverrai au village Cocorico, vu qu'apparemment t'as l'air de partir par là-bas. Là, 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 là. Putain, le mont du péril là-bas qui est... Oh, qui est magnifique. Oui, t'as le sanctuaire qui est là-bas, donc il y en a un qui est tout en haut. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la tour qui est là-bas. Et la tour, on va rusher dans sa direction, parce que pour le coup, elle va pouvoir nous filer la map. Un bouquetin! Aïe! Le bouquetin! Le bouquetin, il m'a bizuté! Oh, le bouquetin. Oh, le bouquetin. Oh, le bouquetin. Ici. Ici. Ici, oui, monsieur, je vais dans l'eau. Ah, t'es dans ta gueule! Non mais... Ah là! Du venaison, c'est à moi. Fallait pas m'emmerder, putain. Fallait pas m'emmerder. Je suis rien demandé, moi, au bouquetin. J'ai même pas sorti mon arme, rien. Voilà, il s'est pris la mienne dans la gueule, du coup. C'est tout. Faut pas me faire chier. Alors qu'on a un petit campement avec un coffre, là, on va essayer de le faire. Parce que j'espère qu'il y aura une arme intéressante dedans. Putain, mais c'est... Regardez le passage, là-bas, mais c'est stylé. Avec le tronc d'arbre et tout, putain.
contre, on a un espèce de petit brouillard, là. Bon, tu vas me dire c'est le matin. Oui, mais bon. Essayer de changer les flèches, là. Ça sert à rien de prendre... Ça ne sert à rien de prendre des chefs des flèches explosives. Putain, mais il me voit de loin, cet enfoiré. Genre, il m'a vu! Genre, tu m'as vu, petit con? Tu m'as vu, petit con? Sans déconner. Tu m'as vu, petit con? Eh merde, il y a ses copains à côté. Ah! Ouh! Ah, mais faut que je fasse gaffe au bleu. Qui me lance des caillasses? Attends, vise le bleu d'abord. C'est lui le plus... Aouh! Putain, c'est chaud. Le bleu, il me stresse, là. Oh, putain, one shot. Putain, viens, là, salopard. Putain. Couchez. Merci. Ah, il reste le petit, là-haut, là. Ah, putain, maintenant, moi, je suis pas rassuré, moi, du coup, hein. Ah, j'ai plus de... J'ai plus d'arc. Je n'ai plus d'arc. Je n'ai plus d'arc. Mais comment je fais déjà? Comment je fais déjà pour choisir mon arc? Non, je ne veux pas choisir mon bouclier, je veux choisir mon arc. Aou. Ah, ou alors j'en ai carrément plus. Alors, j'en ai juste plus en fait. Ah mais... C'est vrai, du coup, j'ai enlevé ça. Putain, tu sais quoi? Prends ça. Voilà. Yeah. Ça n'a servi à rien. Reprends ça. Reprends ça. Et grand, je suis là. Là. La gueule. Ah, comme quoi, ça peut servir. Hein. Ça peut servir, le fait de balancer son arme comme ça... À la tronche des méchants. On va prendre la batte boco. Comment tu manipules ça? Ouais, comme une espadon, comme une hache. Allez. Ça c'est fait. De la viande! À moi de la viande. Allez, j'espère qu'il y a une arme dedans, hein, s'il vous plaît. Hein. Quelque chose d'intéressant. Hop. Pff. Va te faire foutre. Va te faire foutre. Du coup, bah on va continuer d'avancer, hein. Ah, est-ce que je peux traverser ce petit ruisseau? Putain, courant, hein. Oh là 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 là. J'en chie, hein. J'en chie et je vais bientôt crever. Putain, mais... Oh, la nage, c'est mortel, hein. Alors que je trouve un moyen d'améliorer ça, parce que ça va pas le faire. Ah, coucher. Bouquetin. Un bouquetin. J'ai croisé ta mère tout à l'heure. Elle a pris cher, mon ami. Apparemment, tu veux faire pareil, toi aussi. Putain, mais... Et pourquoi les bouquetins sont méchants dans ce jeu? D'habitude, c'est les poules qui sont méchantes. Je me méfie des poules, moi, pas des bouquetins. Il y a encore un petit camp sauvage par là-bas. La distance... On pourra dire ce qu'on veut, la distance d'affichage est quand même vraiment pas mal. C'est peut-être minimaliste ce qu'on voit au loin, mais quand même on voit de vachement loin, je trouve. Plus impressionnant, ça restera le château... Le château d'Hyrule avec Ganon qui se balade autour. Allez, parce que ça fait déjà une demi-heure, là. Mais déjà une demi-heure qu'on est ensemble. Que moi je vais pas tarder à partir au boulot. Eh ouais, il y en a qui bossent. Je vais pas tarder à partir au boulot quand même. Il va falloir qu'on arrête d'ici un quart d'heure, 20 minutes. C'est pour ça que j'aimerais bien quand même me dépêcher, qu'on aille à la tour. On a quand même déjà dû bien avancer là.
Ah, je suis pas là. Je ne suis pas là. D'accord, il va falloir qu'on monte. Il va falloir qu'on monte pour pouvoir escalader la tour. Pour pouvoir l'atteindre le plus facilement possible. Parce que là, t'as... Ah Dieu. Connard. Parce que là, de ce que je vois, elle est entourée de flotte. Oh, énorme, ils étaient en plein dîner. Foutez-nous la paix, putain. Foutez-moi la paix. Je ne suis pas là. Hey, zou. Non, tu ne plonges pas, Link. Allez, accroche-toi. Merci. Tour des monts géminés. Géminé, géminé. Ça me dit quelque chose, ça. Géminé. Ah oui, c'était dans Wind Waker, je crois. Dans Wind Waker, tu avais l'île Géminé. Je crois que c'était l'île où tu débloquais les flèches de feu et les flèches de glace. Ça y est, l'île, on ne peut y aller que à la tornade. Je crois que c'était ça, l'île Géminé, dans Wind Waker. Il me semble, hein. Hop là, on va faire plein de petites pauses hein, à chaque fois. Hein, parce... Bah faut bien, hein, parce que Link, niveau endurance, mon Link, c'est pas ça. Hein, s'épuise facilement. C'est Zelda qui va être triste plus tard. Oui, je sais, c'était pas drôle. Je m'en fous. Allez, Zou. Hop. Allez. Allez. Ah, j'espère que plus tard on aura quand même la capacité de monter plus vite ou je sais pas quoi. Ou alors peut-être qu'on ne l'a pas mais que ça dépend uniquement de notre jauge d'endurance et ce serait dommage quoi. Allez, bonjour. Je suis là pour révéler la map. Ce n'est pas du tout une mécanique inventée par Assassin's Creed. Activation. Le point de téléportation a été mis. Ploup. Putain, pas d'eau sur le sur mon Samsung, bordel. Alors, waouh, le village Cocorico est encore vachement loin, quoi. Oh. Oh putain. Ah mais la zone elle est quand même vachement grande. Encore une fois hein. Je suis étonné hein. Je suis vraiment très très étonné hein. Mais attends, mais on a commencé d'où? Une nouvelle fonction est également disponible. Ah. Qu'est-ce donc? Détecteur Sheikah. Localiser les sanctuaires initiatiques. Lorsque vous remarquez que la réaction s'intensifie, poursuivez dans cette direction pour arriver au sanctuaire. Oh. Oh, si tu veux. Si tu veux. Avec l'antenne Wi-Fi, quoi. Allez, si tu veux, mon grand. Détecteur Sheikah est opérationnel, oui. Lorsque vous avancez en direction du sanctuaire, oui, mais d'accord. Si tu veux. Si tu veux. Mais, waouh, putain, mais c'est... Oh là 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 là. Mais putain, mais tu sais quand le... C'est quoi cette zone-là? Cette zone-là, on est d'accord, c'était le plateau. C'était le plateau sur lequel on était depuis le début. Ici, c'est... Putain, on a parcouru... What? Oh là 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 là, putain. Ouais, mais on a parcouru une bonne distance, hein, quand tu regardais. Oh là là. Ouais, regardez, les monts et tout, c'est là-bas, hein. Les gradins, enfin, les gradins... Non, mais les remparts sont... Oh là 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 là. Ah, on m'avait dit que ce Zelda était immense, mais... À ce point, c'est quand même assez... À ce point, c'est quand même assez bluffant. Hein. Ouais. Ouais, 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 ouais. Bah, pour le coup, je sais même pas si on arrivera au village Cocorico, là, parce que... Parti comme c'est, ou alors il faut rusher, quoi, mais... Je pense qu'on va faire ça, mais qu'après, les autres vidéos, ce sera bien plus tard
bien plus tard dans mon avancée, parce que là, putain, j'ai des trucs à faire, hein, les cocos, hein. Ah, j'ai des trucs à faire, mon salaud, et c'est... Je vais mettre 20 ans. Je vais mettre une bonne vingtaine d'années à pouvoir terminer ce jeu. Ah, c'est bien, 20 ans, j'aurai... Ah, j'aurai presque la cinquantaine, il sera peut-être temps d'avoir une famille. Je pourrais m'arrêter là. Putain, me dis pas qu'il va falloir faire de l'escalade. Regarde la map, mon grand. Ah, mais le village Cocorico, il est dans les... Le village Cocorico, il est dans les monts... Ah, merde, j'aurais pu passer par... Ah non, il faut que je traverse... Non, j'ai fait le con, putain. Ah, j'ai fait le con, attends. Tour de Mont Géminé, téléporte-toi là-bas. C'est pas par là que je dois passer. Pas par là que je dois passer par les deux la montagne fendue en deux là. Je dois passer par là. Ah, du coup, ces conneries, ça m'a donné envie de fumer une clope. Moi. Ah, parce que là, c'est la balade, c'est la détente, c'est tout ce que tu veux, hein, mais. En tout cas, c'est. C'est long. Hein. Du coup, je me demande en quoi des let's play peuvent être intéressants de ce jeu. Parce que c'est vraiment basé sur l'exploration, hein, quand tu regardes. Hein. Hop. Là, il va falloir que je passe par ici. Ce sera bien plus facile. Oui, je sais, l'antenne Wi-Fi, t'es mignonne, hein, mais... Je sais très bien où est-ce qu'il est, le sanctuaire, hein. Il est là-haut. Et là-haut, moi, je peux pas y aller. Et ça, c'est de l'ébonite brute et je peux pas la récupérer. Vous me faites tout chier. Vous êtes content? Qu'est-ce que c'est que ça? Un petit champignon... Ah, oh, bah c'est du violet, voilà. Champi tempo. Descends, Link! Oh! Un mur. Donc on a vu que c'était quand même bien plus pratique de passer par ici que de passer par là-bas. Hein. J'espère... Oh! C'est quoi ça? C'est des auras? Bonjour le sanctuaire, c'est des auras ou pas? Ah non, non, c'est pas des auras ça. Non, c'est de la merde ça. Non, c'est de la grosse merde et t'as de la chance que j'ai pas mon arc. Parce que... Connard. Ah putain, parce que moi les auras je veux les voir. Hein. Ah, je veux voir les auras, c'est obligatoire. Hein. Sanctuaire de Ridai. Enchanté Ridai. Missa Zelos. Enlever ma clope en attendant, ouais. Ah, on a le temps, hein, j'ai envie de te dire. Enfin, on a le temps, pas que je traîne non plus, mais... Bah, on va faire ce sanctuaire encore. Bah, je pense, à mon avis, on va faire ça, hein. On va faire des petits... On va faire des petits sanctuaires durant cette vidéo, et on va s'approcher du village Cocorico. Si jamais, d'ici 10 minutes, on arrive aux abords du village, on rentre dedans et on regarde ce qu'il nous dit... Si jamais on n'y arrive pas, bah... Achetez le jeu et vous verrez ça vous-même. Voilà. Putain, d'ailleurs, au passage, j'ai vu certaines infos. Alors, je ne sais pas si c'est fiable, hein. Vous savez, j'ai vu ça à la sauvette. Question de timing, sanctuaire de Ridai. J'ai vu ça à la sauvette concernant apparemment les ventes de la Nintendo Switch... qui apparemment sont impressionnantes et qui auraient même dépassé le démarrage de la Nintendo Wii. Donc la Nintendo Wii, hein, qui a été la console la plus vendue par Nintendo. Attendez, on va essayer de réfléchir quand même. Hop. Oui. Ah, d'accord. D'accord, mais encore une fois, c'est tout petit ces sanctuaires. Hein. C'est vraiment petit, c'est fort dommage. Hein. Oh, j'ai bien aimé. The Link a eu une petite animation quand la plateforme a bougé. Alors, hop. Hop. Ah, je suis trop bon. Non, je déconne, c'est ultra simpliste. Allez hop là. Oh merde, putain, j'ai raté mon taxi. J'ai raté mon taxi. Reviens ici. Et je crois qu'on a terminé en plus.
Deux petites énigmes là et on a terminé? Are you fucking serious? T'es sérieux, Aonuma? Tu m'as habitué à beaucoup mieux, Aonuma. Je suis déçu. Ah, il y en a une troisième. Alors, montre-moi ça. Ah, dommage, le timing n'était pas bon. Hop. On y retourne. Hop. Ah, encore un petit peu. Allez, c'est parti. Hop là. Parfait. Merde, mon taxi encore. Putain. Allez, reviens ici. Fais marche arrière. Dépêche-toi. Oui, donc, le truc que je disais, c'est que les ventes, apparemment, de la Nintendo Switch sont assez impressionnantes et très encourageantes. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Bien content pour Nintendo. Après, Oh merde, par contre, comment qu'on fait? Comment qu'on fait pour avoir ce coffre-là? On va essayer de tricher. Oula, ça n'a pas marché du tout. Ça n'a point marché du tout. Bon, après, est-ce que j'en ai vraiment besoin de ce coffre? Ouais, mais ça m'intrigue. Comment on fait pour l'avoir, ce con? Je crois savoir comment. Oui, je sais. J'ai complètement bugué là. Hein. Vous m'excuserez, mais. J'ai complètement bugué pour le coup. Mais je crois savoir comment. En fait, ce qu'il faut faire, c'est prendre un tonneau. Vous savez qui est là, là. Prenez un tonneau, vous le foutez là-dessus. Ce qui fait que du coup, ça va être levé. Ça va être levé et pour le coup, bah, on pourra le choper. Bon, bah, tant pis. Hein. Écoute, hop là. Donc apparemment, les ventes de Nintendo Switch sont plutôt encourageantes et ça, je suis content pour Nintendo. Maintenant, moi, il y a deux choses qui m'intéressent le plus. C'est quid des jeux. Quid des jeux qui vont sortir dessus. Quid des tiers. Parce que là, il va falloir que les tiers suivent le rythme. Vraiment, hein. Il va vraiment falloir que les tiers suivent le rythme parce que sinon, c'est cuit. La console pourra se vendre. Mais j'attends de voir vraiment quelle excuse les tiers vont utiliser pour pouvoir snobber la Switch. Parce que parti comme c'est, voilà, vous m'avez compris. On a vu ce que ça donnait avec la Wii U. Et ça, vous pourrez me dire ce que vous voulez, mais les tiers sont en partie responsables. Les tiers sont en partie responsables de la catastrophe qu'était la Wii U. Je veux dire, si jamais les tiers ne suivent pas, forcément la console ne se vendra pas. Or là, on a un petit peu de chance, parce que avec la Switch, t'as quand même un concept qui est quand même très attractif. Un petit peu de la même façon que la Wii, quand on y pense. Donc du coup, la console se vend plutôt bien, ce qui est sympa, mais il va falloir que les autres... suivent, quoi. Il va vraiment falloir que les éditeurs tiers suivent. Parce que, franchement, si jamais les tiers se mettent à sortir... des versions Switch de tous leurs jeux... Franchement, j'en ai rien à foutre qu'ils soient moins beaux. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est que ça puisse être jouable. Voilà. Le reste, je m'en fous, mais tellement, putain. Ok, toi, t'auras ton jeu, si... On essaye de tracer. T'auras ton jeu sur ta Play 4. Ok, il sera en 1080. Whoopidou. Moi, il est en 720. J'en ai rien à branler. J'en ai rien à branler, putain. Moi, le tout, c'est que je puisse jouer au jeu et que le jeu soit fun. Ni plus, ni moins. Le reste, je m'en tartine, mais... Un truc de taré. Oh, encore un sanctuaire. Qu'est-ce qu'on fait? On y va? Ah, on peut pas y aller. On peut pas y aller, il y a des pics de partout. Faut trouver un autre moyen pour y aller. Oh, il y a quelqu'un là-bas. Oh, il y a des chevaux! Il y a des chevaux. J'ai vu des chevaux. Bonjour monsieur. Oh Terry. C'est Terry.
Oh, Terry, qu'est-ce qu'il dit? Salut, grand. Futur monsieur client. Lol. Sac en forme de scarabée rhinocéros, c'est ma marque de fabrique. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ces poses à la Jojo, là? Oh. Mes articles vont des insectes les plus variés aux indispensables du grand baroudeur, toujours à prix correct. Si vous manquez de rubis, ne vous inquiétez pas, je peux aussi vous racheter tout ce dont vous n'avez plus besoin. Pierres précieuses et autres trésors se revendent à bon prix, vous savez. Oh ! Ça, ça ! Je veux vendre ! Parce que j'en ai, moi, des conneries de pierres précieuses, là. J'en ai. Ah bah, par contre, j'ai zéro... Putain, mais c'est vrai ! Et quand j'y pense ? C'est vrai que j'y pense, mais on n'en a pas croisé des rubis. J'en ai toujours pas croisé des rubis, malgré le fait que j'ai parcouru un petit peu tout le bordel. Et c'est vrai que j'en ai pas croisé. Tiens, un saphir, là. 210 rubis! Je vends. Oui, ça m'intéresse. Merci. Bon, juste, je prends ça. Acheter, qu'est-ce que t'as à vendre, mon grand? Alors... Des flèches en bois, des insectes... C'est tout? Foutez-moi le camp, espèce de... C'est tout? Mais OMG... Attends, je comprends pas, là. Une flèche en bois... Attends... Attends, je piche que dalle. Flèche en bois, 20. Ok... Donc 20 x 6, ça fait 120. Ça fait 120. Sauf que pourquoi les 5 flèches en bois, pourquoi ça c'est séparé en fait? C'est ça qui me fait bugger. Pourquoi c'est séparé? Mais je sais pas. Mais en tout cas, si t'as que ça, y a rien qui m'intéresse, mon grand. Oh putain, c'est cool, y a Terry. Terry qui est revenu. Et qui a apparemment pris la place de Judas. Enfin, allez, saut. Ouais, une petite caravane. Ouah, des gens. Mais putain, ça y est, on croise la civilisation. On a croisé la civilisation. Relais des Géminés. Bonjour, madame. Sagesa. T'avais pas encore vu par ici. La première fois que tu voyages. Oui, effectivement. Un grand fléau a laissé des traces en Hyrule, mais on ne croirait jamais que le monde a failli basculer dans le néant. Il y a des monstres un peu partout, toute la zone du château d'Hyrule est encore en ébullition. Oui, faut pas y aller là-bas, ça craint. La première chose à faire, c'est d'apprendre à préparer des remèdes. Oh, dis-moi comment que je fais. Partir d'insectes et de viande de monstres. Ils n'ont pas d'effet sur ta jauge vitale, mais ils peuvent améliorer tes capacités en augmentant ta vitesse, par exemple. Oui. Certains remèdes améliorent même ta résistance au froid ou à la chaleur. Oui, ça c'est effectivement... Mais ça c'était même pas un remède, c'était juste... On a fait du piment. On a fait du piment et puis voilà. A pu froid. Réviser un sans connaître l'existence des remèdes, c'est un sacré vénard. Prends ça, ça me rassurera sur ton sort d'ici à ce que tu prépares tes propres remèdes. Vas-y, dis-moi. Remède Tempo. Ce remède de niveau 1 augmente la vitesse de déplacement. Suffit de le boire pour courir, grimper et nager plus vite. Oh, c'est cool, ça! Y'a pas mieux pour échapper aux ennemis ou pour arriver à l'heure quand on est parti trop tard. Qu'est-ce que c'est que ça? Un morceau de monstre et un lézard Tempo. J'ai toujours une dizaine sur moi. Cool. Oh, putain! Ça y est, on a... trouver quelque chose. Ah, puis on a de la muse. 10 chevaux. 6-10 chevaux. T'es malade, mon grand? Pourquoi t'es bleu, toi? Ah, t'es spécial. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un loup? Ah non, c'est un chien. Eh bien, un petit Bernard. C'est mon grand. Mais vite, il est content, il chope sa queue. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai rien compris. Et comment j'ai été soigné, là?
Oh putain, je comprends plus rien là. Ah mais là, je suis content de croiser de la civilisation en fait. Donc vraiment. Oh un coq. Midi un coq. Là j'ai enfin croisé des gens. Je croise enfin des gens, donc je suis vraiment content. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que c'est que c'est. Bonjour monsieur. Ah mais je te connais toi, t'es Pierre dans Pokémon. Le mec qui a les yeux qui s'ouvrent jamais. Tabaga qui s'appelle. Complètement perdu dans mes pensées. Je mène une étude très sérieuse sur le mystère de la lune de sang. Dis-moi tout. Il faudrait s'informer un peu mon garçon. Quand j'aime pas quand les mecs ils me trash talk comme ça. Depuis le jour du grand fléau, il arrive que la nuit, une pleine lune rouge se lève, quelle que soit la phase lunaire. Quand la cloche sonne le 12e coup de minuit, le ciel prend une couleur rouge sang. D'ailleurs, les monstres terrassés reviennent à la vie, et encore, sans qu'on ne puisse rien y faire. C'est la lune de sang. Il est content de dire ça. Oui ? Pourquoi les monstres reviennent-ils à la vie ? Ça, je pense que tu ne sais pas, voilà. Le mystère est encore loin d'être éclairci. Ah. Si jamais tu apprends quoi que ce soit sur la lune de sang, viens m'en parler, quelle que soit l'heure. Ok. D'accord. Ça, c'est quelque... Putain, mais il y a un sanctuaire ici aussi. Est-ce que le village Cocorico est loin? Ah ouais, il est quand même loin. Il est quand même assez loin, hein, le village Cocorico. Bah, malheureusement, on ne le verra pas durant cette vidéo. On va refaire un sanctuaire, hein. On va refaire ce petit sanctuaire là-bas. Ah, mais comment que je suis content de trouver trouver des gens, trouver un petit relais comme ça, des gens à qui parler, enfin. Bonjour, toi tu dois avoir une quête à me... Putain, mais t'es exactement comme le mec de dehors, là. Ouais, peut-être. Ah, salut Thierry. Ouais, mais on va faire le sanctuaire d'abord, hein. On va faire d'abord le sanctuaire et puis le reste... Ah, mais non, mais c'est vrai que je pouvais pas y aller. J'ai pas d'arc. Comme on est bien ici. Effectivement, gentille demoiselle. Oh ! Ah, c'est ça ! C'est ça, la lune rouge sang. Putain, ça fait flipper ces conneries. Ah, c'est clair que quand tu vois ça, c'est pas rassurant. Hein. Oh, nom de Dieu. Elle est vachement grosse en plus, elle. Oh là là. Qu'est-ce que c'est ça? Tiens, regarde, t'as vu ta baga là? La lune est magnifique ce soir, tu ne trouves pas? Ouais, elle est belle. Elle est toute... Il arrive que certaines nuits, à minuit, la pleine lune se lève et le ciel se colore de rouge. C'est la nuit de la lune de sang. Écoute, le ciel ne s'est pas encore coloré, mais de ce que je vois, je crois que pour ce soir, c'est bien parti, non? Tu crois pas? Parce que je suis une bite en astronomie, hein. Une grosse bite, hein. Moi, j'étais dans un espèce de petit sanctuaire il y a à quelques lieues d'ici, hein. Je dormais depuis environ 100 ans. Je veux pas le dire, mais je crois pas que ce soit le soleil, ça, hein. Spécialiste de la lune de sang, là. Putain, mais cette nuit-là, oui, je sais ce que c'est, moi je veux comprendre, non, je veux rien te demander, t'as l'air complètement con, fous-moi la paix. Mais par contre, je veux voir ce que ça va donner à minuit. Et minuit, c'est dans à peu près, voilà, c'est dans pas longtemps, il est 23h15. Regarde-le. Oh mon dieu, la lune est rouge. Alors, regarde-le. Oh putain, c'est quoi, on va le poursuivre. Viens ici. Mais viens la voir, ta lune de sang, qu'est-ce qui t'arrive? Oh putain, le mec il pète un câble. Ah, la lune est rouge. La. Arrête-toi, pourquoi tu cours? Oh nom de dieu, ah ouais. Wow. Oh putain.
Ah, ça a de la gueule, hein. Link. Oui ? Link. Prends garde. La nuit de la lune de sang. Les pouvoirs de Ganon sont à leur paroxysme. Les âmes des monstres qui errent sur Terre retrouvent alors leur enveloppe charnelle. Link, prends garde. D'accord, c'est ce que le jeu a trouvé comme excuse pour faire repopper les ennemis. Ok. Ça pourrait durer bien longtemps. Puis c'était pas vraiment très impressionnant. Regarde-le, l'autre, là. Pourquoi tu cours? Mais parce que tu cours. Mais pourquoi on court? Ta gueule est court. Ah, mon Dieu. Les petits enfants qui dorment. Terry qui dort aussi. Tout le monde qui dort, tout le monde qui est tranquille. Bonjour, monsieur. Gashan, tu veux te reposer dans notre établissement? Un lit normal te coûtera 20 rubis. Tu peux aussi avoir un lit extra moelleux pour 20 rubis de plus. Alors, c'est quoi la différence? Tu te réveilleras plus reposé. C'est-à-dire, on a peut-être des bonus? C'est quoi? On va essayer, tiens. On va essayer et on va s'arrêter là, je pense, hein, malheureusement. Parce que ça fait une heure et malheureusement, je n'ai pas le temps pour aller plus loin. Allez, moelleux! Allez, moelleux! Allez, jusqu'au matin. Allez, fais-moi sentir le moelleux de ton lit. Fais-moi sentir ça. Dégueulasse. Oh, on le voit même pas, c'est dommage. J'espère que tu as bien dormi. Oh, on a un cœur supplémentaire! On a un cœur supplémentaire, comme c'est cool. Putain, Link, la tête de Link, je le trouve vraiment badass, moi, hein, quand même. Hein. Tu regardes, là? Tiens. Vraiment l'impression que c'est le mec qui en a chié, quand même. Hein. Oh putain, on a un cœur supplémentaire, comme c'est super cool! Comme si gentil tout plein. D'accord, bah putain, mais ça, c'est encore un truc que j'apprends, hein, décidément. Ah, en tout cas, ça m'a fait plaisir de redécouvrir un petit peu de civilisation, là. Ouais. Si jamais on pouvait en avoir plusieurs de ces relais, comme ça, là, franchement, ça ferait du bien. Hein. Par contre, ça souffle, hein, vingt dieux que ça souffle. Eh ben, écoutez, nous, on va se stopper là, hein. On va s'arrêter là pour le coup. Parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'aller plus loin. Moi, de mon côté, je vais essayer d'escalader cette grande montagne pour pouvoir trouver le sanctuaire par là-bas. Voire même, peut-être pour pouvoir atteindre ce sanctuaire-là. Ça peut être intéressant. Mais en tout cas, moi, je vais vous laisser là-dessus. Je ne sais pas quand est-ce que... Je ne sais pas sur quoi, en fait, sera la prochaine vidéo. Peut-être... Si ça se prouve, j'aurais pas eu le temps d'aller au village Cocorico parce que j'ai tellement de trucs à visiter et à faire, là. Ça va être impressionnant. Donc, peut-être, si jamais je n'ai pas le temps d'aller au village Cocorico, peut-être qu'on le verra dans la prochaine vidéo. Allez, en attendant, je vous laisse là-dessus. Je vous dis ciao à tous, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était 69 Zelos. Et bonne partie tout le monde. Ciao, bye bye.